au combat, on était 110 à 120 adhérents, puis on est descendu à 70 adhérents. Là, 80, ça veut dire quand même que vous êtes un noyau solide qui répercutait notre information, qui nous soutenait, qui venait à nos événements, et ça c'est très important. Vous savez tous que les idoles attachent un dessin au pied du. Il est au pied, en fait, sur un bord de chemin, mais à l'arrière de l'hyperconsommation et le carrefour. Dans les marais pauvres. Dans le captage, mais en fait, en péril, hein, on peut dire ça comme ça. Il est, personne n'en parle, mais ça fait des années que. Et on parle dans les milieux dits autorisés. On s'orienterait plutôt vers une fermeture. Donc on essaie de dénoncer. Cet état de fait, et on n'a pas de solution de secours sur Bourges. La solution de secours, on a le captage du Porche qui fonctionne avec l'adduction d'eau qui vient de la Loire en amont, et on parle simplement de renforcer, de doubler cette adduction venant de la Loire qui coûte ça va coûter encore une fortune. Alors qu'on ne sait pas protéger l'existant. Personne n'en parle parce que c'est quand même catastrophique. Une société aujourd'hui qui n'est plus capable, ou qui est sur vraiment très tendue, qui n'est plus capable de délivrer de l'eau potable à ses administrés, c'est une société à mesure des cadences. C'est que par le groupe, que par l'action commune et fédérée, on pourra faire bouger les choses, faire avancer les choses. Voilà. Pour préciser ce que vient de dire Jean-Pierre, notre action s'est déroulée dans le cadre d'un collectif, et ce collectif rassemblait donc notre association, évidemment, en tête de projet, l'association des maraissiers de Bourges, l'association Force ouvrière des consommateurs, l'Indecosa CGT 18, Bourges Plus Plus, c'est-à-dire une association de début de groupe en opposition, l'association Consommation Logement et Cadre de Vie, la Confédération Nationale du Logement, le Patrimoine Marais et ELV, qui était aussi représenté dans notre collectif. On a agi, c'est quand il y a eu l'enquête d'utilité publique pour essayer de réhabiliter le captage Saint-Ursin, on s'est aperçu que cette enquête d'utilité publique était complètement faussée. Faisait apparaître des données complètement obsolètes. Enfin bref, j'en passe, mais à la fin, tellement bien que ce qu'on a dénoncé a été repris en totalité par le commissaire enquêteur, qui pour une fois a pris complètement ses responsabilités et a refusé que le dossier passe par un avis défavorable. La charge était tellement lourde que la communauté de Bourges a finalement retiré le projet et va essayer de réexaminer un projet. Et la situation est vraiment très dramatique. Deuxième chose, eh bien, c'est la traditionnelle analyse des PPE de la station d'Achères. Vous savez que tous les ans, les bouts d'Achères arrivent sur notre territoire. On a réussi, bien sûr, et je reprendrai l'historique, à réduire le dossier de moitié en surface et à peu près un tiers au niveau des restrictions. Plutôt augmenter d'un tiers les restrictions pour pouvoir faire ces épandages. Malgré tout, notre département reste, grâce à ce combat, je le maintiens, le département de toute la zone du SIAC sur lequel on est pour le moment. On est vraiment là où, dans les autres départements, il y a jusqu'à 1000 hectares qui sont épandus chaque année. Nous, on est à 77 hectares, par exemple, pour cette année. On est aussi le département où on dépend à la plus faible dose à l'hectare. Là où les autres départements sont à 8 tonnes hectare, nous on est à 6 tonnes hectare. Il y a donc une méfiance par le SIAC qui se méfie. Troisième victoire, c'est aussi que le plan d'épandage a été renouvelé, donc il y a 2 ans maintenant, et qu'aucun nouvel agriculteur n'est venu se greffer sur ce plan d'épandage dans le chêne. Plus est, un agriculteur a même abandonné le plan d'épandage. Donc il y a vraiment, vous voyez que cette vigilance citoyenne, quand même, elle paye. Je souviendrai, puisqu'on est là,
un bâtiment, vous voyez là derrière les deux lagunes, il y a un bâtiment carré là, au milieu. Au milieu, il y a des, comme un immeuble carré, vous voyez. Cet immeuble carré, le 3 juillet, c'est-à-dire exactement en même temps que Lubrizol à Rouen, cet immeuble a brûlé. On n'en a pas entendu parler nulle part dans la presse. 5 jours pour éteindre l'incendie. Tout simplement parce que tous les tuyaux qui normalement servent pour la sécurité de ce bâtiment passent sous le bâtiment. Donc, quand il y a eu l'incendie, tous ces tuyaux ont éclaté, les pompes à incendie, etc., ne pouvaient plus marcher. Donc, il a fallu amener 5 jours pour éteindre l'incendie. Personne n'en a parlé. 5 jours. 8 tonnes de poissons morts dans la Seine qui ont été récoltées. Personne n'en entend pas. Omerta totale sur ça. Évidemment, on se trouvait en même temps que Lubrizol, donc ça arrangeait tout le monde, et personne n'en a parlé. Ce qui veut dire que cette station de ce moment tourne avec des anciens bassins de décantation, puisque ce bâtiment, normalement, était un bâtiment essentiel chimiquement pour traiter les eaux. Donc, maintenant, on tourne avec des anciens bassins, que vous voyez par exemple sur la droite, ici, hein, des anciens bassins de traitement qui ne servaient pas, donc qui étaient complètement désaffectés, et sur les 3 bassins, il n'y en a qu'un qu'ils vont plus remettre en œuvre. Ça, c'est un dossier, je vais dire, presque en devenir, vous en entendrez parler dans les projets, mais qui commence à nous inquiéter énormément et sur lequel on a déposé un premier dossier sur Moulins-sur-Yèvre, c'est donc la méthanisation. La dérive industrielle qu'on est en train de voir là nous inquiète énormément. Et notamment que nos fermes ne deviennent plus que des alimentations à méthaniseur. On cultive des plantes pour le méthaniseur. On fasse par exemple, comme la ferme des 1000 vaches, vous savez, le célèbre combat qu'il y a eu par la Confédération paysanne, ou d'autres, je crois. Véramien, c'est ça, la Somme. Voilà, dans la Somme, petite parenthèse, cette ferme des 1000 vaches donc, qui avait été autorisée en baisse donc, à 500 vaches, sans que personne n'entende parler de rien, vient d'être autorisée à 1000 vaches. Donc ils sont passés à 1000. Et ils ont un projet d'augmentation encore. Et là, le lait ne devient plus qu'un produit secondaire. C'est la pose des vaches qui est importante pour le méthaniseur. Vous avez, suivant la grandeur de l'installation, un régime simplement de déclaration. Quand vous faites une petite installation, vous déclarez simplement la facture que vous avez installé un petit méthaniseur de 30 tonnes par jour. Voilà. Et puis, si vous allez jusqu'à 60 tonnes par jour, vous déclarez, vous êtes au régime de l'enregistrement. C'est-à-dire que vous déclarez à la préfecture, avec un petit dossier succinct, pas d'étude d'impact sur l'environnement, mais un petit dossier succinct, et puis la préfecture prend un petit arrêté en disant eh ben, allez-y monsieur, faites votre truc. Et puis, si vous avez vraiment l'idée de faire un gros truc de plus de 100 mètres cubes par jour, eh bien, 100 tonnes, à ce moment-là, vous déposez un dossier d'autorisation à l'enquête d'utilité publique, ce qui est le cas sur Moulins-sur-Yèvre. Mais ce qui arrive souvent, et ce que nous tentons de dénoncer, c'est que vous avez des grosses unités comme ça, qui peuvent produire plus de 100 tonnes de cubes par hectare par jour, et qui déclarent simplement qu'ils vont produire 20. Comme ça leur permet d'entrer dans le régime de la simple déclaration. Et puis petit à petit, quand ça s'est un peu calmé, plusieurs années après, on dépose un petit dossier pour 60%. Mais le verre est dans le fruit, et déjà on est dans le système de l'industrialisation. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est que les fermes ne produisent plus que des légumes ou des céréales pour nous nourrir, mais bien pour nourrir les méthaniseurs. Et la troisième chose, c'est la pollution des sols. Parce que ces méthaniseurs font que derrière, ils
il y a ce qu'on appelle un digesta, c'est-à-dire quand il y a eu fermentation, production de gaz, eh bien, il y a un déchet, cette lisière, déchet, qui retourne, c'est ce qu'ils disent, à la nature. Seulement, c'est un concentré, et notamment un concentré de nitrate et de métaux lourds, qui retourne dans les sols et qui polluent effectivement les sols. Et je passe sur les problématiques des riverains avec les odeurs, parce que là, ça déguste pas mal, et les tonnages aussi de véhicules sur la route, hein, pour alimenter ces méthaniseurs. Avec souhaiter entrer dans la campagne glyphosate. On a pratiquement bouclé l'opération. Cette opération consistait à mesurer le taux de glyphosate que nous avons dans nos urines. Alors, c'est pas le concours de celui qui en a le plus et celui qui en a le moins. C'est démontrer que nous en avons tous. Et comme le glyphosate est un biocide, il n'y a pas de raison qu'il soit dans notre corps. Alors, même si on s'en débarrasse, le temps de ce biocide est dans notre corps, que fait-il? Comment est-il arrivé? Quels sont les dégâts dans nos cellules? C'est plein de questions qu'il est nécessaire de se poser et dont on espère des réponses de laboratoires indépendants. Il y a toute une famille qui est venue pour faire analyser les urines. La maman m'a autorisé à utiliser cette photo. C'est la dame qui en a le plus sur l'ensemble des mesures effectuées dans le chef. Elle a récidivé lors de la deuxième pisserie le 7 décembre, et c'est encore elle qui en a le plus. Alors qu'elle n'habite pas la campagne. Donc ça pose une question qu'on va essayer de décortiquer. Ne comprenons pas, le glyphosate, c'est le symbole. Ça veut dire qu'on a d'autres choses qu'on n'a pas demandé dans notre corps. Voilà, c'est vraiment le symbole et quand même parler un peu plus politique. Aujourd'hui, effectivement, la réglementation voudrait limiter les zones d'épandage par rapport à tout ça. C'est un piège, hein. C'est-à-dire que si jamais une loi passe sur ça, ça veut dire qu'on n'ira pas vers l'interdiction. Voilà. C'est bien l'interdiction totale. Chose, parce qu'on voit bien qu'on habite la campagne ou la ville, notre taux de glyphosate dans la ville n'est pas lié à la distance qu'on a des champs. La lutte contre l'ambroisie, si on a un petit créneau, je vous en parle, parce que j'ai assisté à la préparation de ces réunions. Comment on va autoriser le glyphosate pour lutter contre une plante envahissante et problématique au niveau santé pour les personnes au niveau des allergies? Bon, les assises de l'eau, il faut remonter en 2018. Les assises de l'eau, il faut savoir que la pollution principale dans le département, c'est l'agricole. 80% sans chiffre, sans pourcentage, 80% de la pollution est due à l'activité agricole. Et 20% du reste se partage entre tout ce qui est l'industrie, la pollution à l'autre, et puis le débat de l'autre. Mais 80%, c'est la moyenne générale, et dans certaines bassins, tels que l'Europe, on est à 90%. Parce que là, il n'y a pas d'industrie aérienne, c'est 90%. Alors 80% au minimum, la pollution est agricole. Merci Bernard. À ces assises de l'eau aussi, j'ai participé, il y avait donc des ateliers où on était, des ateliers thématiques, où on était tous, évidemment notre association s'est répartie dans les ateliers pour pouvoir porter la bonne parole. Et cette bonne parole, après, devait être normalement compilée et puis en fin de journée, restituée au niveau du général. Et on s'est aperçu qu'entre l'introduction qu'on avait eue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est la politique de l'eau dans notre région au niveau de notre bassin, et ce qui nous a été restitué à la fin, ben finalement, nos ateliers étaient passés à la trappe, ou du moins, tout ce qu'on avait mis en atelier avait été tellement édulcoré qu'on avait retiré uniquement ce qui arrangeait pour rester dans la ligne normale. Alors, et bien, je voudrais vous qu'on commence à se projeter sur l'avenir, alors qu'il n'y a aucun bilan, aucune donnée, rien, absolument rien, de l'état actuel de la ressource en eau, qu'elle soit générale, qu'elle soit potable.
Ça veut dire qu'on nous prend pour des guignols. Vous, citoyens, vous êtes des guignols. On participe à des sommes colossales qui sont dépensées. On participe à du cinéma, du monstre. Ça ne compte plus. Il faut lancer comme des guignols. Et des guignols, quand ça les arrange, ça veut dire que ça devient catastrophique. Nous sommes sur une véritable dictature des pouvoirs publics, des pouvoirs gouvernementaux, qui imposent leur loi scélérate. Les gens sont morts. Aucune pérennité, nulle part, dans tout le département du Cher, toute la surface est contaminée en par les nitrates. Vous n'avez aucune pérennité sur les rotations de l'État. Par exemple, Bourges, 3000 habitants, la bonne structure, la bonne défaillance sur le réseau qui vient de la Loire, Bourges a plus que potable. La COP régionale, vous avez entendu parler de cette fameuse, ce fameux fiasco de la dernière COP 25, je pense que ça. Et donc, fiasco total, et là se décline maintenant des COP régionales. La COP régionale a un document qui a été fait par les associations environnementales de la région Centre, un document qui s'appelle le livre blanc de l'environnement, de l'écologie, voilà, qui est remarquable, qui a été fait dans un temps record, 3 semaines à peu près, mais la compilation de ce que ces associations connaissaient, et ce livre blanc est un livre remarquable, qui a été distribué lors de cette COP régionale. Moi, dans ma grande naïveté, je vois arriver dans les 70-80 ans, je reste encore naïf, on me distribuait à l'entrée de cette COP ce livre blanc, j'ai dit, mais ils vont reprendre tout ce qui est marqué là-dedans, parce que je l'avais lu, ils vont reprendre tout ça. Ça va être formidable. Et là encore, on va faire très court, hein. C'est comme les assises de l'eau. On a eu un grand discours général où tout le monde a exposé, les dirigeants de notre société régionale ont exposé un petit peu ce qui a été fait, d'ailleurs, du blabla. Puis ensuite, des espèces de petits ateliers. Puis à la fin, alors, quand même, un très bon buffet. Très bon buffet. Et puis, à la fin, un rendu qui était la même chose que la présentation ordinaire. C'est-à-dire que ce livre blanc, il est passé complètement à la trappe. On a été aussi à une réunion sur ce que devient Notre-Dame-des-Landes. Alors là, ça c'est très intéressant. Je vais faire très très court, mais ce petit prospectus, vous allez l'avoir là-bas. Et en bas du prospectus, on a parlé ici, vous avez la possibilité d'abonder au fonds de dotation dont je vais vous parler tout à l'heure, le voilà, effectivement ce fonds de dotation. Et je vais vous résumer la situation rapidement. Notre-Dame-des-Landes, de ce moment, c'est 300 hectares distribués à bail précaire aux occupants de la ZAD pour les cultiver, mettre un artisanat autour et faire toute une vie autour de ça. C'est 300 autres hectares qui sont revenus aux paysans combattants, aux paysans résistants qui avaient refusé l'indemnité, mais qui étaient restés sur la ZAD pour se battre aux côtés des zadistes, réunis sous le sigle commun. Donc ces paysans-là ont retrouvé leurs terres et continuent à l'exploiter avec un engagement tacite avec les zadistes, de se dire nous allons tous arriver à la retraite à un moment donné et nos terres reviendront à votre projet commun sur cette ZAD. Et il y a environ aussi 300 hectares qui sont eux revenus aux cumulards, c'est-à-dire aux paysans qui sont partis de la ZAD avec l'indemnité de Vinci et de l'État, qui ont accepté des terres en dehors de la ZAD pour cultiver et qui sont revenus sur ces terres-là pour cultiver leurs hectares précédents. Donc on a ces trois entités, inutile de vous dire qu'il y en a deux qui s'entendent bien, il y en a une troisième assez honnie sur la ZAD. L'objectif est de retourner au commun, c'est-à-dire que la terre appartient à celui qui en a besoin. Vous y cultivez, vous y faites du pain, vous y faites de l'élevage, vous avez le droit
selon votre demande qui est examinée en commission, à cultiver cette terre pendant le temps où vous en avez besoin. Le jour où vous n'en avez plus besoin, cette terre est remise dans le commun pour pouvoir être vendue. C'est la société qui est en train de se construire de ce moment sur Notre-Dame-des-Landes. Alors, aussi, on a porté la bonne parole, et ça, c'était une première pour nous, c'est que le groupe socialiste du chef nous a demandé de venir leur exposer la situation de l'eau potable dans le Cher, mais vraiment à tous les encartés. On avait 30 encartés dans la salle, et ces gens-là étaient en train de venir découvrir ce que c'était que l'eau potable dans le Cher. Ils ont trouvé notre conférence très intéressante et ils ont appris quand même beaucoup de choses. J'espère qu'il en restera un peu dans l'ordre. Je vais vous rappeler une affaire qui est d'importance quand même pour le département du Cher. Oui, parce que c'est la première fois, et ça fera jurisprudence, qu'un agriculteur est condamné pour épandage illicite de pesticides. Alors, je vous rappelle, brièvement les faits, c'était en mai 2018, à Barassi, un agriculteur a épandu des pesticides au cours de la journée, et des gosses jouaient sur un plateau sportif, entre autres ils jouaient au tennis, avec un éducateur, et ils ont été copieusement aspergés par l'agriculteur qui est passé à côté, qui les a traités comme on traite les céréales. Merci. Donc l'affaire n'en est pas restée là. Le type de il est du côté d'Avord, mais il exploite la Barassi et il s'est retrouvé donc au tribunal. Très intéressant. J'ai assisté aux séances et ça s'est fait en deux fois parce que le jugement est intervenu ultérieurement après des délibérations. Et l'agri a été condamné à 10 000 euros d'amende, dont 5 000 avec sursis, donc il est condamné à 5 000 euros d'amende. C'est une première dans le département du Cher qu'un professionnel soit condamné. Et je pense que ça va porter ses fruits. Il est très curieux que le jour du délibéré, quand la décision du tribunal a été rendue, le même jour, dans beaucoup de médias nationaux, est paru l'attaque de la FDSEA de Bretagne pour harcèlement d'épisseurs involontaires du glyphosate. Et j'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai peut-être l'esprit tordu, j'ai pris ça pour un détournement en se disant, dans la presse, ça va passer avant le jugement du tribunal, et parce que, comme disait Jean-Pierre, c'est une première, cette condamnation. Et ça aurait dû faire, peut-être pas la une des journaux, mais distribué dans les médias nationaux, or le même jour, voilà. Et la FDSEA de Bretagne a fait analyser les urines de 11 agriculteurs par notre laboratoire biochèque de Leipzig en Allemagne, et par un autre laboratoire breton, et indépendant. Si, ils l'ont dit. Et évidemment, il n'y a pas photo. Biochec charge la mule et BioCA, un nom comme ça, sur le droit de rapport. Les agriculteurs n'ont pas